Bonjour le professeur, bienvenue sur Soubonne. Nous continuons le travail. Aïe, aïe, aïe. Le travail est mort. C'est pas n'importe quel travail. Regardez l'écran. Vous voyez ça? Cette histoire qui fait le buzz en ce moment-là, ça me fait rire. Ça me fait rire parce que souvent, le diable pense qu'il est plus intelligent que Dieu. Alors que Dieu, lui, il a ses plans. Vraiment, ça fait rire. Si vous racontez l'histoire, vous savez, vous m'étonnez. En tout cas, à la fin, vous me direz ce que vous en pensez. Écoutez ça. Elle le pose en secret. Le gars que son carpouteur voulait arnaquer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la fille que vous voyez à l'école, elle a un gars, genre son copain. Et son copain, c'est comme un brouteur. On va dire que c'est un brouteur. Le gars, il se fait passer pour une femme. Et il parle avec des gens. À un moment donné, comme il avait du mal à se tirer de l'argent à son mougou, c'est-à-dire son mougou là, les gens, comment on va dire encore, genre le pigeon, comme vous pouvez dire chez vous, le pigeon, comme il avait du mal à se tirer de l'argent blanc, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a décidé de rendre réel ce qu'il est en train de faire en utilisant sa propre copine pour l'amener sur le terrain afin qu'elle puisse rencontrer le blanc et que tout ce que le blanc va lui donner, il puisse partager cela et même plus. Ça, c'était ce qui était prévu selon l'information que j'ai reçue. Maintenant, la fille, elle va rencontrer le blanc. Elle voit que le blanc est beau. Elle voit que le blanc est joli. Elle dit, hein? Sérieux? C'est comme si elle n'avait jamais vu un blanc de sa vie. Elle dit, là où a fait arriver là. Je pense même que je dois être plus intelligent que le diable. Là, elle a dit, je suis d'une famille pauvre. Voici un homme riche qui est devant moi. Mon copain me demande de lui soutirer de l'argent. Moi, je veux vraiment avoir une relation sérieuse avec lui. Parce que je pense que il est tout gentil aussi pour que je le fasse souffrir. Donc, il faut que je fasse quelque chose, je trouve une solution. Il faut que je trouve une solution rapide, là, tout de suite. Et la meilleure solution que la fille a pu trouver, c'est de se marier avec lui. C'est de l'épouser. Et Seigneur, Seigneur, elle s'est dit, mais ah! C'est mon gars qui allait me donner de l'argent, mais c'est-à-dire ma provenance de ce monsieur, de cette table qui est le monsieur. Mais et si je prenais l'arbre en même temps? Est-ce que c'est pas mieux? Et si je prenais l'arbre à sous, l'arbre à l'argent? Hein? Donc elle a pris l'arbre à l'argent. Avec bon cœur même, elle a épousé. Les images sont parues sur les réseaux sociaux. Maintenant, son carbouteur qu'elle a laissé là derrière. Le gars commence à pleurer. Il dit, chérie, qu'est-ce que c'est ce que je t'ai dit? Est-ce que c'est ce que je t'ai dit? Toi, tu me laisses. Et toi, il t'envoie. Je t'envoie quelque part. Et puis, toi, tu vas rester là-bas. Toi, là, quand même, quand on te voit, ça va t'envoyer. Quand on te voit, ça va t'envoyer. On t'envoie quelque part, tu vas rester là-bas.
Non, c'est pas possible. Moi, c'est comment? Il a commencé à défendre le terrain. Il a commencé à poser des photos d'elle sur les réseaux sociaux. Et il dit à la fille, écoute, t'es ma copine, je t'aime, reviens. Reviens. On n'a pas pu faire ça. C'était pas ce qui était convenu. Reviens, s'il te plaît. Reviens à moi. Je suis ton chéri. Je t'aime toujours. Mais c'est trop tard. C'est trop tard parce que la fille, elle a vu son bonheur là-bas où elle est partie. Comme la colombe que Noé a lancée et est partie sans revenir. Seigneur Jésus. Voici comment. Le cas, il est resté d'un chagrin d'amour. Pas possible! Chez nous, on appelle ça le gourmet. Un gourmet, gourmet de haut niveau. Un gourmet hors du commun. Et il est là, en train de parler, en train de parler. Mais c'est trop tard. La fille, elle a déjà fait le mariage traditionnel. Et elle s'est mariée. Seigneur Jésus. Une affaire de mougou, une affaire de pigeon s'est transformée en une vraie relation. Une vraie relation amoureuse. Ah! Ah! Le gars, il parle, les gens sont aussi sortis sur le serveur social pour dire: oh! Mais alors! Laisse les gens tranquilles! La fille, tu avais elle, tu lui donnes quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas un travail fixe, ne fais qu'arnaquer les gens. Maintenant, elle a trouvé son bonheur. Il faut la laisser vivre sa vie tranquillement. Laisse-la vivre heureuse. Oui, laisse-la vivre en joie. Et je vous ramène ce sujet-là. Dites-moi, les frères et sœurs, qu'aurez-vous fait à la place de cette fille? En tout cas, moi, je vous assure, c'est une femme. J'aurais fait la même chose que la fille d'un. Au nom de Dieu, ouais, Dieu, ouais, moi, je ne peux pas vous mentir. J'aurais fait la même chose que la fille. Peut-être que quelqu'un va dire que, ah, la fille, est-ce qu'elle aimait toujours son cas? C'est possible. Mais souvent, l'amour seul ne suffit Souvent, l'amour seul ne suffit pas. Je vous assure, ça là, c'était une belle opportunité pour elle de changer sa vie. Et elle est belle. La fille, elle est jolie. Regardez sa forme. C'est comme si elle avait même été préparée pour l'homme blanc. C'est comme si elle avait été préparée même pour l'homme blanc. Ils forment un beau couple. Ils forment un très beau couple. Je vous donne bisous. Je vous donne bisous. Je vous donne bisous. Voici la récompense de celui qui passe son temps à arnaquer les gens sur Internet. Voici ta récompense. Ils ont pris ton cœur pour partir. Mais donc, on va rire maintenant. Ah! Ah! C'est bien fait pour ta tête. Ouais. Ouais. Je vous donne rendez-vous pour finir. C'est parti.